Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur CrowCity pour faire un petit peu le tour de la ville. Donc je suis toujours sous la neige, mais j'étais au 27 janvier, je suis revenue au 3 janvier. Je pense qu'on peut quand même m'applaudir, hein. Oui, re-Juliette. Alors, déjà il faudrait que je prenne 2-3 trucs. Oula, ah non ça va, c'est juste une lettre du bureau de poste. Comme quoi j'ai des intérêts. Ah ben j'ai pas de place pour prendre mes lettres, c'est pas grave, on le fera plus tard, pourquoi pas. Donc j'ai changé mes petits vêtements, moi j'ai laissé le nœud céleste. Ah, c'est le concours de pêche? Qu'elle me parle de poisson? Ou pas? Bah non, Rosie n'avait pas de canne à pêche. Ouais non, c'est pas le concours de pêche, c'est juste qu'elle pêche, voilà. Ok, alors, il n'y a personne qui est parti. Ça, c'est un exploit énorme. C'est Albin. Albin, est-ce que j'ai déjà été voir sa caravanerie? Je ne me rappelle plus. Je sais que niveau caravane, il me manque Rodolphe, que j'ai pas encore vu. Ouais, non, je crois que j'y ai déjà été. Puis, de toute façon, j'ai plus beaucoup de bons commerces. Hein, j'en ai plus que 21. Parce qu'hier, j'ai un peu craqué. J'ai été chez quelqu'un et j'ai commandé le présentoir à gâteau qui est chez... dans une caravane qu'on a avec les cartes. Je sais pas le nom. Je sais pas le nom du personnage. Mais je sais qu'elle a ça, elle a un cupcake et quoi d'autre. Pourquoi je m'en rappelle plus? Je sais qu'il y avait un présentoir à... Mais pourquoi ils ont tous leur canne à pêche? C'est quoi ça? Moi je vais quand même aller voir si c'est pas le concours de pêche. Ah non, c'est juste Rounard. D'accord. Bon, par contre, faudrait arrêter un petit peu de me détruire à chaque fois ma place. Ça serait fort aimable. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, j'ai eu par une personne la collection. Une collection des cartes Sanrio. Je sais pas trop comment on prononce. C'est la Cinnamorol. Parce que personnellement, moi en fait, je trouve pas encore les cartes chez moi. Donc du coup je propose qu'on teste ça, ah sinon ici j'ai enfin fini ma pièce pour Noël, donc je vais me remettre au bon temps bientôt, donc voilà. J'espère qu'elle est belle, parce que j'ai mis du temps. C'est quoi? Ah c'est celle-là! Ah mais elle est trop cute celle-là! Waouh! Attendez, je vais regarder les meubles alors. Oh, mais trop chou, quoi. C'est trop chou. Oh, le canapé! Trop beau! La table, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un petit personnage sur la table? Ah non, il n'y a pas de petit personnage. Oh, c'est trop chou! Et alors, le mur? Trop chou. Franchement, c'est trop chou. Trop mignon. Waouh. Donc, du coup, merci. Parce que j'adore. Ouais. Bon, bah, du coup, on va sortir. Hein, parce que j'ai rien d'autre à vous présenter. Ah, si, un petit truc. Est-ce que c'est par là le sous-sol ou pas? Non, c'est l'étage. C'est bien ce que je me disais. J'ai racheté le fauteuil somptueux que j'avais donné à Gaëlle pour l'épisode de Camelot à l'aventure d'Halloween avec Voldemort et tout ça là, pour faire la pièce du manoir des Malfoy. Du coup je l'ai racheté, voilà, comme ça c'est... Cette pièce là aussi elle est finie. Ah, Placide qui veut nous parler. Ça va bien, il y a quelque chose que je vais te demander. Tu es plutôt plage ou montagne? Bah jamais été à la montagne, donc je vais dire que je préfère la mer, évidemment. Pareil, moi aussi, c'est la mer que je préfère, poisson, crevette, crabe, oursin. Ça me donne une de ces envies de barbecue. Moui. Je constate que nous avons le même goût, Pupus. Bah oui, Placide! Je t'en ai déjà dit, on y fait l'un pour l'autre, parce que t'es le meilleur de ma ville, Placide. Voilà. C'est la petite déclaration d'amour à Placide, voilà, qui est restée là. Depuis le tout début. Sinon, niveau quête à faire, enfin un truc pour obtenir des bons de commerce là. Il faut qu'on aille travailler au perchoir, donc moi je propose qu'on aille faire ça.
Si, il me propose de travailler parce que l'autre fois, il a pas voulu que j'y travaille. Chapeau con. Vraiment, vraiment content de te voir. En quoi puis-je t'aider? Je veux travailler. Je ne peux pas travailler efficacement avec des poches aussi remplies. D'accord, tu veux jouer à ça? Moi, je vais travailler en maillot de bain. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je vais travailler en maillot de bain. Quoi? Hey! Mais qu'est-ce qu'il va pas venir me faire chier non plus? Je veux travailler, fous-moi la paix. Ah là, j'ai trois places. Il va me laisser rentrer, oui ou merde? Hein, parce qu'à un moment. Alors, je veux travailler. Oh, 50 ans pour travailler, quoi. Mais quel vieux. Oh, la même chose que d'habitude. Ah, mais je sais pas. En plus, j'ai pas pris mon téléphone à côté pour regarder sur internet. Du coup, on va faire comme ça, hein, du Blue Mountain. Plein de lait. Ouais. Et un sucre. J'espère que c'est ça. Je crois que lui, c'est un mocha. Oh, je sais pas. Glou, glou, glou. Hein? Il est juste assez de sucre. Mais c'est tout. Le reste est plutôt raté. J'espère que tu feras mieux la prochaine fois. T'es triste. C'est qui ça? Samson, non? Il s'appelle pas Samson? Si, il s'appelle Samson. Un mocha, s'il te plaît. Et je le voudrais noir. Ok, d'accord. Donc il y a juste le sucre qu'il va falloir qu'on trouve. Du mocha. Pas une goutte de lait. Et le sucre, bah, on va en mettre zéro du coup. Ou alors fallait en mettre trois. Oh, sympa. Oh, sympa. Voyons voir. Quel régal! Tu m'impressionnes! C'est pile poil ce dont j'avais envie. Je suis bien contente d'avoir fait le chemin jusqu'ici pour venir prendre un café. Eh, chapeau bas, je suis quick. Oh! Oh, on est bien là. On est doué. On est doué. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui cette mocheté? Arnold. Un café, s'il te plaît, avec une tonne de lait, merci. D'accord. Mais tu aurais pu me dire un autre indice. Du coup, on va mettre un mélange. Plein de lait. Et on va mettre trois sucres. Ah putain, qu'est-ce qui est moche. Alors, voyons voir si nous l'avons réussi, comme il dit. C'est parfait. Ah, oh, je suis trop doué. Bon, et là, normalement, c'est le personnage spécial. Oh, c'est Amiral. Amiral. Je prendrais bien, tu sais quoi. Oui, mais non, moi, je sais pas quoi. Bon, ben, on va prendre du mocha, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a l'air d'aimer le mocha. On va prendre plein de lait. Et on va lui mettre de sucre. Alors. Quoi? Ben, t'essayes de m'intoxiquer ou quoi? Vite, un évier. Il me faut un évier ou un sac en papier. Eh! Fuck, hein. Fuck. Moi, je te dis. Je te dis, si tu n'es pas contente, tu trouves un autre café. Il semble que tous les clients ont été servis. Beau travail, Vrou, tu vas pouvoir rentrer chez toi. J'ai fait vraiment du moitié-moitié. Il semble que ton café a satisfait de nombreux clients. Tu as fait du bon boulot, je vais te payer un grain de café de qualité. Bon, on n'a pas eu celui d'excellence, mais en même temps, s'est trompé avec deux dégueux. Un dégueulasse. À bientôt. Et tu ne nous donnes pas de petits cadeaux? Aucun cadeau. Ben bravo, hein. Bravo. Bon, ben, du coup, on a eu un bon commerce. Je pense qu'on va s'arrêter ici, puisqu'on a fait deux sacrés carnages avec le café. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine, ciao!